Lancement à Korogo du projet de production vivrière améliorée. Les régions concernées sont le Koro, la Bagoué, le Bunkani et le Gontougou. Les clés de 3 préfectures ont été remises au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il s'agit des préfectures de Kouto, de Ouangoloudougou et de Doropo. En Syrie, l'opposition est prête à prendre part à la conférence de paix de Genève le 22 janvier prochain. Elle sera à la même table que les représentants du président Assad. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h. Le projet d'agriculture pour la nutrition et l'équité du genre a été lancé vendredi dernier à Korogo. Les régions concernées sont le Poro, la Bagoué, le Bunkani et le Gontougo. Le projet d'un coût de plus de 1 milliard de francs va contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel des nourrissons, la diversification des régimes alimentaires et l'autonomisation des femmes. Noël Niagno, reportage. 4 représentantes des 4 zones d'intervention, Korogo, Bongeli, Bondoukou, Nassia, du projet de production vivrière améliorée, sont visiblement heureuses de recevoir de façon symbolique les kits agricoles du projet Agriculture pour la nutrition et l'équité du genre. Il s'agit à travers ce projet de développer les productions maraîchères et légumières à haute valeur nutritive, développer aussi la culture de la patate douce à chair orange riche en vitamine A. Enfin, développer l'aviculture avec des races locales à travers de petits élevages domestiques. Finalité, améliorer l'état nutritionnel des nourrissons, des jeunes enfants et de leurs mères grâce à l'accès aux aliments d'origine végétale et animale, diversifier par la même occasion les régimes alimentaires, augmenter le revenu des ménages, rendre autonomes les femmes. On comprend donc la mobilisation des femmes et leur aisance à chanter et à danser pour exprimer leur satisfaction. Pour nous d'apprendre à combiner l'agriculture, cuisine et santé. Car avec le projet TEN, nous serons suivis par des spécialistes en nutrition qui vont accroître nos connaissances dans la préparation de mets diversifiés et riches en vitamines. 60 groupements féminins, soit 2400 ménages, seront directement touchés par le projet à l'issue d'une identification qui a tenu compte des carences nutritionnelles. Au niveau du choix des localités, c'était vraiment centré sur les résultats des enquêtes nationales de malnutrition. Donc, la zone des savanes et la zone des zinzins sont les deux zones avec les taux de malnutrition chronique les plus élevés. Deux femmes, l'une ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, l'autre ministre ivoirien de la solidarité, de la femme et de l'enfant, saluent le choix des populations cibles, les femmes, pour des raisons éloquentes. Le projet Change que nous lançons aujourd'hui, tous ensemble, va transformer votre vie, celle de vos enfants, de vos époux, de votre famille et de votre communauté. Investir dans la femme, c'est assurément investir pour le développement, non seulement de la communauté, mais pour le développement national. Avant de lancer le projet, Sangafoua Mamadou Koulibaly s'est dit heureux de participer à cette rencontre et a pris l'engagement d'assurer le suivi rigoureux du projet. D'un coût de plus d'un milliard de francs CFA, ce projet permettra de sortir plus de 12 000 personnes de la pauvreté et de la malnutrition. Je vous le disais en titre, les clés de 3 préfectures construites dans le cadre de l'opération dénommée 1000 réinsérés dans les métiers du bâtiment ont été remises hier samedi au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les populations de la région de la Bagoué sont en fête. Les clés des préfectures des départements de Kouto, Ouangoloudougou, Doropo ont été réceptionnées par le ministre de l'Intérieur et remises au préfet des départements sur le site de la nouvelle préfecture de Kouto. Ce programme de construction de préfecture est piloté par le projet d'assistance post-crise, PAPC, qui a financé également la réinsertion de 164 jeunes dans les métiers du bâtiment à hauteur de 41 millions de francs CFA. À ces jeunes, nous lançons un appel à la responsabilité, leur responsabilité. Le gouvernement, à travers le PAPC, leur fera un apport de 12 millions de francs CFA en moyenne par chantier pour les soutenir.
mais la suite leur appartient. C'est à eux de tourner le dos à la facilité et de se mettre résolument au travail, car seul le travail paye. À Couteau, ce sont 56 jeunes qui ont contribué à la construction de la préfecture. 16 des 18 préfectures à construire sur l'ensemble du territoire sont déjà achevées. Cette politique est une réponse à une double problématique du gouvernement, à savoir la restauration de l'autorité de l'État et la mise en activité d'au moins 1000 jeunes. On va donner la préfecture à Couteau, mais également à Ouangoloudougou et à Doropo, pour que nous puissions continuer à apporter le développement vers d'autres contrées. Nous devons faire de ces villages des villes modernes. Et on peut le faire si on est ensemble. Chacun de vous est une opportunité, est une chance pour la région. Les jeunes formés en tant que maçons, menuisiers et électriciens ont reçu des chèques et des diplômes de formation pour leur réinsertion socio-économique. Après l'étape de Couteau, Mbato, Zoukoube, Kani et autres localités verront très bientôt s'ouvrir les portes de leur préfecture. Le reportage était signé Gabriel Zani. Les meilleurs acteurs de développement africain viennent d'être primés. L'initiative du groupe Safam Communication, qui est à sa 13e édition, vise à promouvoir l'excellence et aussi contribuer à l'émergence du continent. Pour cette 13e édition, 15 personnalités africaines ont été primées. Les détails avec Herman Niamia. Apollinaire Compaoré est le meilleur acteur de développement d'Afrique pour l'année 2013. Cette distinction, il l'a reçue à la 13e édition du prix panafricain de développement. Recevant le trophée des super prix diamants, cet homme d'affaires burkinabé s'est dit honoré par cette marque de reconnaissance. Son vœu, a-t-il souligné, est de voir les investisseurs africains se donner les mains afin de bâtir le continent. Aux côtés d'Apollinaire Compaoré, Madiou Sampara, représentant du Mali, lui s'est adjugé le super prix or. Quant au super prix argent, il est revenu au Tunisien Talel Sali. Le prix panafricain de développement, selon Sanogo Adama, directeur général de Safam Communication Inter, a pour objectif de magnifier les cadres et personnalités du continent africain qui œuvrent inlassablement à l'émergence d'une nouvelle Afrique prospère et pacifique. Outre la remise des super prix, les 15 meilleurs bâtisseurs du continent ont été également primés. Certains ont reçu des prix sectoriels, comme le super prix Coup du cœur du jury, remporté par le Sénégalais Mohamed Mokta, et le super prix bronze, remporté par le Burkinabé Béli Biyen. La cohésion sociale est aujourd'hui une réalité en Côte d'Ivoire. Après la crise qu'a connue le pays, et pour rendre durable cet acquis, des structures comme l'ONG Asapsou et le Haut Commissariat pour les réfugiés continuent de sensibiliser les populations à la réconciliation. Condition pour le développement, le quartier Saint-Pierre de Yopougon a été visité récemment par ces structures. Reportage Serge Gongomain, Serge Coléa. Au quartier Saint-Pierre de Niangon à Yopougon, les populations retrouvent la gaieté et la bonne humeur. Les fortes dissensions nées des crises politiques successives en Côte d'Ivoire ne sont plus qu'un vieux souvenir. Plus d'animosité entre les familles. Le mur de méfiance est tombé grâce aux actions de réconciliation et de cohésion sociale menées par l'ONG Asapsu, le Programme national de cohésion sociale et le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR. Tous les jours, chaque dimanche, chaque samedi matin, on joue ensemble ici. Guéré, gourou, ménager, durant tout le monde. On fait ensemble. Par exemple, moi, mon frère, lui, c'est Yakuba. Sinon, il m'a donné manger. Il est venu manger. Ce quartier était vide. Qui avaient fui sont revenus. Et on se voit, on se salue. Il y en a même qui te voient, ils te font à tout, comme si quelqu'un qui voit son parent, ça fait des milliers d'années. Pour rendre plus durable ces acquis, l'ONG Asapsu et ses partenaires, le HCR, le SARA, le Service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, renforcent la sensibilisation des populations du quartier Saint-Pierre de Niangon à travers des échanges, des témoignages et un gala de football. Pour la cohésion sociale, nous avons constaté qu'ils commencent à vivre en paix et avec leurs voisins et avec les personnes qui ne sont jamais parties. Vraiment, je suis très contente et très fière de nous et de nos travaux. On ne savait pas qu'un jour, sur cette place, certaines personnes allaient s'asseoir ensemble et discuter. Je crois qu'il y a du chemin qui est fait et nous souhaitons que cela continue.
Ces efforts de renforcement de la cohésion sociale au sein des populations, initiés par l'ONG ASAPSU et ses partenaires, sont salués par les chefs de terre et chefs religieux, porte-parole des populations du quartier Saint-Pierre de Niangon à Yopougon. La page politique de ce journal s'ouvre avec une réunion de mobilisation du Rassemblement des Républicains qui a rassemblé des militants et des sympathisants mercredi dernier au siège du RDR à Bobo. Au cours de cette rencontre, le secrétaire départemental Adama Tungara a fait le bilan à mi-parcours des actions du président Alassane Ouattara dans la commune d'Abobo. 2013, une année fructueuse pour la commune d'Abobo. C'est le secrétaire départemental du RDR, Rassemblement des Républicains, Adama Tungara, qui le dit. Lors de la rencontre avec les militants et sympathisants du parti, il a fait l'évaluation des travaux entrepris par le président Alassane Ouattara au cours de l'exercice 2013. Un bilan si riche en réhabilitation, en construction d'infrastructures économiques, en remobilisation qu'on appelle de nos structures sanitaires et sociales, et dire aux militants d'Abobo que le progrès est en marche. Le président est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire, pour son émergence en l'an 2020. Nous avons l'autoroute Abobo-Anyama qui est en cours. Nous avons le centre commercial de Samaké qui est pratiquement achevé. Nous avons le marché de Dokui qui vient d'être terminé. Nous avons la nouvelle gare d'Abobo qui est terminée. Conscient des difficultés que connaît la population d'Abobo, Adama Tungara se dit optimiste pour cette nouvelle année. Nous avons en février la pose de la première pierre du musée d'art moderne d'Abobo et en juin le centre commercial d'Abobo. Et je dois dire que la Sicogie est en train de construire un quartier près de 30 000 logements. Au terme de la rencontre, le secrétaire départemental et député de la commune d'Abobo a sensibilisé les membres et sympathisants du RDR à une forte mobilisation pour la présidentielle à venir. En restant politique, le premier séminaire du secrétariat exécutif du PDCI-RDA s'est tenu à l'hôtel de la paix à Daoukro. 9 points à l'ordre du jour, entre autres l'adoption des normes et standards des comités de base et des sections, de même que le canevas d'élaboration des plans d'action sectoriels du secrétariat exécutif. Sur ces points, le séminaire s'est prononcé en élaborant un rapport final. Thomas Nguessambi pour les détails. Deux jours pour plancher sur 9 diligences qui lui sont assignées. C'est ce que fait le secrétariat exécutif du PDCI au cours de son premier séminaire depuis son installation en novembre dernier. À la fin, l'équipe du professeur Maurice Kakou-Guikaoué peut livrer la conclusion de ses travaux au président du parti, Henri Conan Bédier. Au titre de la nomination des membres des grands conseils régionaux, le secrétariat exécutif a recommandé le maintien des anciens grands conseils à jour de leur cotisation des années 2010, 2011, 2012 et 2013, comme en décidé lors de la publication des listes des membres des organes centraux du parti. La nomination des grands conseils régionaux interviendra après l'élection des secrétaires généraux de section. Au titre du calendrier d'installation des structures du parti, après débats et observations, le secrétariat exécutif a adopté le calendrier de toutes les structures du parti, comité de base, section, organisation des jeunes et des femmes. Ce calendrier sera présenté, discuté à la prochaine réunion du bureau politique. Le secrétaire y en a profité pour fixer au 23 janvier prochain la cérémonie de présentation de vœux au président du parti. Un moment sans doute d'échange sur des problèmes politiques entre le président et les militants du parti. La ville de Bouaké va abriter en juillet prochain la 3e édition du Festival national des arts et de la culture. Thème central de cette édition, protégeons notre environnement. Le lancement du programme des activités de ce festival a eu lieu au foyer Jeunes Viateurs de Bouaké. Charles Tatou.
Délocalisée à Bouaké, cette double cérémonie de lancement des activités du Festival national des arts et de la culture et de celle de la journée de solidarité et de partage vise à se rapprocher de tous les principaux acteurs de la vie scolaire. Il s'agit des directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et des chefs de service qui, eux, vont informer et sensibiliser les élèves et les enseignants sur la nouvelle vision de la direction de la vie scolaire. Cette vision, il faut le savoir, reste le renforcement des approches pédagogiques du système éducatif ivoirien par l'intégration de ses activités dans le programme d'enseignement. Outre la transmission des connaissances scientifiques, littéraires et culturelles, la DVS attend préparer les enfants à la citoyenneté active en leur inculquant des valeurs morales et en développant chez eux des compétences dans le but de leur favoriser une bonne intégration sociale. La transmission de ces valeurs ne peut réussir sans l'implication des professionnels en la matière, ce qui explique l'innovation des activités de la DVS. Un commissariat général créé au sein de cette structure, dont les membres sont issus de 9 ministères techniques, est déjà en activité. Un rajout de 2 disciplines, compte et cinéma photo, a été faite qui porte de 8 à 10 des matières des compétitions du festival. Les lauréats du prix de la meilleure cuisine du gouverneur du district d'Abidjan, édition 2013, ont reçu leur lot des mains de Kone Aka, préfet de Bouaké. Le Festival international de la culture et des arts de Daokro se déroulera quant à lui du 12 au 20 avril prochain. Le FICAD, qui sera à sa 10e édition, entend promouvoir les valeurs culturelles et artistiques de la région de Ifou. Au menu des activités sportives, une foire gastronomique, des conférences et concours littéraires, sans oublier des soirées artistiques. Tout un programme déroulé par le commissaire général du FICAD 2014 lors de cette cérémonie de lancement qu'a suivi pour vous Franck Kouadio. Un aperçu de l'ambiance au prochain Festival international de la culture et des arts de Daokro FICAD, édition 2014. Le FICAD, un festival dont l'ambition, selon son promoteur, est de constituer la vitrine culturelle de la région du Ifou via le département de Daokro. Et comme cette région est une mosaïque culturelle, favoriser le dialogue des cultures en mettant en avant l'intégration et la paix. Nous pensons qu'aujourd'hui, après tout ce que nous avons traversé dans ce pays, il faut trouver un cadre, une vitrine, n'est-ce pas, pour rassembler toutes les filles de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour y magnifier la culture à travers toute sa diversité, hein, pour une cohésion sociale que nous voulons de tous nos voeux. Pour cette 10e édition, environ 100 000 participants attendus et un programme tout aussi divers que varié. Nous allons voir des danses qui viendront de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de l'est, du nord, du centre et du sud de la Côte d'Ivoire, pour, n'est-ce pas, fédérer ensemble pour un brassage des peuples et des cultures. Ça, c'est le premier point majeur de cette 10e édition. Un autre point majeur, nous voulons inscrire la littérature dans le festival parce que c'est un festival des arts et de la culture. Nous voulons inscrire la littérature à travers un concours de nouvelles et de poésie à travers ce festival-là. Notons-le, le FICAD, connu sous le label Daokro Karna Festival, existe depuis 2004. Il revêt désormais un caractère international avec la participation de plusieurs troupes venues d'Afrique et d'ailleurs. On reparle, et c'est important, des travaux de réhabilitation du centre culturel Jacques Aka. Coût de l'ouvrage, 300 millions de nos francs, financé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Kouadio Kwame, Jean de Dieu. Initiative française à l'époque de la télévision scolaire, dont le siège était à Bouaké, le centre culturel Jacques Aka devait permettre aux nombreux coopérants français et canadiens de se distraire sainement. Inauguré le 16 février 1974 par l'ancien ministre d'État Auguste Denise, le centre culturel Jacques Aka a aussi connu les affres de la crise militaro-politique en 2002. Le centre culturel est à 95% de sa première phase de réhabilitation. Une réhabilitation qui prend en compte la salle de spectacle, la clôture, les bâtiments. La deuxième, les autres bâtiments, les bibliothèques, la médiathèque, l'infographie, les infrastructures et les équipements culturels. La dernière,
les ouvrages, le mobilier et les équipements audiovisuels et informatiques. Il s'agira à terme de faire du Centre culturel Jacques Aka de Bouaké un lieu de rencontre et d'échange, un centre d'action culturelle. Jacques Aka aujourd'hui répond à tous les critères du Centre d'action culturelle. Quand on parle de cohésion sociale, il faut un espace qui puisse rassembler dans un moule toutes les populations de la commune de Bouaké. D'une superficie d'un hectare, le Centre culturel Jacques Aka est en plein centre de Bouaké sur l'avenue du même nom qui mène au marché central. Le centre porte le nom de celui qui a fait figure des précurseurs en décelant l'urgence des problèmes culturels dès le début de l'indépendance. Ambassadeur, négociant dans le domaine du café et du cacao et député, Jacques Aka est décédé à l'aube de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1963. La réhabilitation du centre est financée par le chef de l'État à hauteur de 300 millions de francs CFA. Le centre culturel Jacques Aka de Bouaké ouvre les rideaux pour donner vie à l'art et aux œuvres de l'esprit à Bouaké. Voilà, vous savez tout sur le centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Au chapitre religion, ils sont venus de tout le pays, de toutes les églises adventistes, pour une veillée de prière adressée à Dieu pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Pour les fidèles des églises adventistes, la Côte d'Ivoire est le bien commun à tous les Ivoiriens. Il y a la Côte d'Ivoire qui a l'espoir pour ce peuple. Dites-le! C'est parce que le Dieu du ciel est dans ce pays, il y a l'espoir pour ce pays. Des prières, des chants de louanges et d'adoration pour la Côte d'Ivoire et pour le bien-être des populations qui y vivent. Voilà le rôle que veut jouer l'Église adventiste de Côte d'Ivoire dans le processus de paix et de réconciliation nationale initié par le gouvernement. Réveil et réforme, c'est le thème de cette veillée de prières qui réunit les membres de l'Église venus de toutes les villes du pays. Nous savons que les vœux ont été partagés ici et là, mais en tant que chrétiens, nous croyons que ce ne sont que des vœux et que la réalisation se fera grâce à la puissance du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes invoqués Dieu pour qu'il agrée nos vœux. Selon le pasteur Gonkanou Benjamin, les chrétiens doivent être des artisans de paix et des porteurs de bonnes nouvelles. Un message entendu par les fidèles. Nous invitons tout un chacun à pouvoir œuvrer pour la réconciliation vraie et sincère. Et pour que aussi l'émergence tant prônée par les autorités aussi puisse aboutir. L'amour du prochain, la fraternité vraie et le dialogue ont été également enseignés au cours de cette soirée. À l'étranger, au Mali, le groupe ACMI, affilié à Al-Qaïda, vient encore de faire parler de lui. Il vient d'exécuter un jeune du parti indépendantiste du mouvement pour la libération de l'Azawad. Au Soudan du Sud, la ville de Bor a été reprise par les forces gouvernementales après avoir été annexée par les rebelles proches de Riek Machar. La secte islamiste Boko Haram a attaqué un commissariat au Cameroun. On commence avec la visite de travail de 48 heures du président malien en Algérie. Le chef de l'État malien termine sa visite de deux jours à Alger. Sous couvert d'une réunion de travail, le président Ibeka vient parler des négociations dans l'impasse avec les groupes armés du Nord Mali. Certains de ces groupes demandent à l'Algérie de jouer les facilitateurs. Problème, les rebelles Touaregs du MNLA ne sont pas d'accord. Ils préfèrent la médiation internationale. Une médiation que Bamako juge trop favorable aux rebelles Touaregs. Le porte-parole de l'armée sud-soudanaise est formel. La ville de Bor a été reprise aux rebelles menés par Riek Machar. Depuis le début du conflit le 15 décembre, Bor, capitale de l'état stratégique du Jonglei, a déjà changé de main 4 fois. La rébellion confirme son repli qualifié de tactique. Des dizaines de milliers d'habitants ont fui la ville, se réfugiant auprès de l'ONU ou des pays voisins. Nouvelle incursion au Cameroun des islamistes nigérians de Boko Haram. Des combattants de la secte ont traversé jeudi la frontière pour préparer une attaque contre un commissariat nigérian. L'armée nigériane a répliqué. Les affrontements ont duré 4 heures. Des obus sont même tombés sur le sol camerounais. Les avions nigériens ont violé le territoire camerounais. Ils ont largué des bombes qui sont tombées pas très loin du bureau de la douane. Bilan, selon la police camerounaise, une quinzaine de Nigérians tués, dont 2 militaires.
Plusieurs blessés aussi côté camerounais. Le Rwanda lance les cérémonies commémoratives du génocide qui a fait 800 000 morts, des affrontements ethniques qui ont causé la mort des populations Tutsi, affrontements qui ont commencé en avril 1994. Les Nations Unies ont été accusées d'inertie, des tribunaux spéciaux ont été créés. Le Rwanda et l'ONU tirent les leçons de ce drame. En Libye, l'état d'urgence est décrété dans le sud devant les tentatives de déstabilisation du pays, le pays qui fait face à l'une des plus graves crises de son histoire. Direction la Syrie, l'opposition décide de participer à la conférence de paix qui va se tenir le 22 janvier à Genève. Cette décision fait suite à une rencontre de la coalition nationale à Istanbul en Turquie. Regardez. Au terme de deux jours de suspense et après deux semaines d'atermoiements et de pression occidentale et arabe, l'opposition syrienne a décidé de participer à la conférence de Genève 2 le 22 janvier prochain. Par 58 voix pour et 14 contre sur les 75 votants, les membres de la coalition nationale réunis à Istanbul ont accepté de s'asseoir à la même table que des représentants du régime. Parce que la table est pour nous le passage vers un objectif unique, celui de la satisfaction de toutes les revendications des révolutionnaires sans exception, avec à leur tête le retrait de tous ces pouvoirs au boucher. Un choix difficile qualifié de courageux et approuvé par Washington, Paris, Londres et Berlin. De son côté, le président Bachar el-Assad convoie là recevant une délégation de l'Église anglicane. Il campe sur sa position. Il a averti qu'il n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir. Si nous devions nous rendre, nous l'aurions fait depuis le début, a-t-il déclaré à des parlementaires russes de passage à Damas. Sur le terrain, la population syrienne est toujours prise au piège meurtrier, celui des bombardements du régime qui ont encore fait 34 morts, dont 5 enfants samedi dans la région d'Alep, et celui des massacres commis par les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, filiale présumée d'Al-Qaïda. En Égypte, le oui l'a emporté au référendum concernant la destitution et l'arrestation de l'ex-président Mohamed Morsi. Des manifestations ont eu lieu en Ukraine et en Thaïlande. On commence avec l'Ukraine, où 200 000 personnes étaient dans les rues. En Ukraine, par des températures largement au-dessous de 0 degré Celsius, près de 200 000 opposants pro-européens manifestaient dimanche sur la place de l'indépendance à Kiev à l'appel des chefs de file de l'opposition, défiant les autorités après l'adoption de nouvelles lois renforçant les sanctions contre les contestataires, bravant aussi l'interdiction de tout rassemblement dans le centre de Kiev jusqu'au 8 mars, nouvelle loi dénoncée par les Occidentaux. 28 personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement, par des tirs et des grenades dimanche à Bangkok dans une manifestation d'opposants au gouvernement thaïlandais. Vendredi, une personne avait été tuée. Manifestants et autorités se rejettent la responsabilité. L'opposition est suspectée par le gouvernement de chercher à provoquer des violences pour entraîner un nouveau coup d'État, une hypothèse que le chef de l'armée a refusé d'exclure. Le oui l'a remporté en Égypte par plus de 98% au référendum constitutionnel avec une participation de 38,6% des électeurs. Seulement un électeur sur trois a voté. Selon les militaires au pouvoir, ce résultat légitimise la destitution et l'arrestation du président islamiste Mohamed Morsi. Les militaires avaient averti qu'ils considéreraient comme légal et légitime un score supérieur à 32,9% enregistré lors de l'élection de Mohamed Morsi. Les pro-Morsi accusent les militaires d'avoir perpétré un coup d'État en juillet dernier. La mort de l'épouse du ministre indien Shashi Tharoor ne serait pas naturelle selon l'autopsie pratiquée samedi. Le corps présentait certaines blessures physiques. Le mari a ensuite procédé à la crémation selon le rite hindou. Le décès de l'épouse du ministre est survenu un jour après ses aveux de piratage du compte Twitter de son mari, laissant croire qu'il a trompé avec une journaliste pakistanaise. Le ministre Tharoor, diplomate de haut rang, avait exercé des fonctions à l'ONU. Nommé une première fois au gouvernement, il avait dû démissionner en 2010 à la suite d'un scandale impliquant son amie, devenue ensuite son épouse.
Sport, football, pour terminer, nous vous proposons les résumés des matchs Nigeria, Afrique du Sud et Mali, Mozambique. Le Nigeria a battu l'Afrique du Sud sur le score de 3-1. Et puis le Mali a défait le Mozambique par 2-1. Le Mali et le Nigeria sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Anja Soukro. Le Mali et le Nigeria sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale du CHAN 2014. Le Nigeria a battu l'Afrique du Sud par 3-1. C'est Ejide qui montre la voie du succès aux Sapeurs Eagles. Il est imité par son coéquipier Ede qui, sur pénalty, accroît l'avance au score du Nigeria. 2-0 à la pause. En deuxième période, les poulains de Stephen Keshi s'assurent une qualification définitive grâce à un bijou de l'excellent Ejide qui réalise le doublé. Le Mali, pour sa part, quoique mené à la mi-temps 1-0, est mieux en deuxième partie de rencontre et s'impose devant le Mozambique 2-1. Les Maliens terminent premier de ce groupe A et sont qualifiés pour les quarts de finale avec le Nigeria deuxième. L'Afrique du Sud éliminée ne jouera donc pas les quarts de finale de son CHAN. C'est la fin de ce journal. Le dernier journal sera l'affaire de Hamza Diaby. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.